c'est un dispositif d'engagement pour les jeunes de 16 à 25 ans, ou jusqu'à 30 ans si le jeune est en situation de handicap. Et donc ça lui permet de s'engager pour une mission d'intérêt général sur une durée de 6 à 12 mois. Tutorer, c'est accompagner d'une manière bienveillante et c'est développer un lien de collaboration avec le jeune. C'est s'adapter aux particularités des jeunes et fixer des objectifs progressifs. L'enjeu, du coup, c'était d'apprendre à bien connaître chaque jeune pour les aider au mieux, quoi, dans leur mission et surtout dans leur projet d'avenir. Il faut maintenir la motivation et l'engagement du jeune tout au long de la mission. Ma mission, c'est participer à l'animation numérique. L'intitulé de ma mission, c'est soutien des équipes pédagogiques lors des temps périscolaires. Ma mission, c'est créer des reportages vidéo lors des échanges européens. Je participe à la collecte de témoignages et d'archives sur la Seconde Guerre mondiale à Évron et dans les coévrons. J'anime des petites parties d'atelier. Je crée des affiches pour faire un peu de la communication. Le matin, on a la garderie, il y a le temps du midi et il y a le soir, c'est-à-dire le dispositif aide aux devoirs. Ça consiste concrètement à effectuer des prises de vue, des interviews pendant les échanges européens pour mettre en avant les impacts que ça peut avoir sur les participants. L'accueil de personnes qui soit donnent des documents ou prennent des documents. Après, je numérise justement les documents qui sont apportés. Je participe aussi aux réunions de mise en place de commémoration, etc. Le service civique, ça a vraiment été l'occasion de me poser, de me mettre face à moi-même et de regarder ce qui avait réellement du sens, ce qui me faisait vibrer. Pendant les périodes du coup de vacances, vu que mes vacances sont en même temps que les vacances scolaires, je savais que j'avais passé du coup la première partie du BAFA, pendant les vacances de février, la seconde partie, et pendant les vacances de Pâques, la dernière partie, pour que quand mon service civique se termine, j'ai déjà un diplôme, on va dire, qui me permet de me lancer potentiellement derrière dans une vie professionnelle. La principale attente, c'est justement de recandidater en master et d'être pris en master archive. Et que voilà, ça me donne assez d'expérience pour être retenu et pour continuer dans les archives. Ma priorité à moi, c'était que les jeunes puissent gagner ou regagner confiance en eux pendant leur temps de mission. Qu'ils comprennent que dans la vie, les pas de côté, c'est plutôt quelque chose de positif. Et qu'on développe aussi en eux la culture de l'échec ou de l'erreur. Parce que selon moi, il n'y a pas d'échec, mais il n'y a que des apprentissages ou des moyens de grandir. Moi, j'aimerais vraiment m'orienter dans le numérique. Je pense que grâce au service civique, j'ai vraiment découvert ma voie professionnelle. Il y a un volet qui est très important et qu'il faut surtout pas oublier en tant que structure, c'est l'accompagnement du projet d'avenir des jeunes, que le jeune ne reste pas sans rien après le service civique. Au niveau de l'aisance avec les enfants, c'est-à-dire sur la tranche d'âge que j'espérais du coup rencontrer, c'est beaucoup mieux qu'avant, c'est-à-dire que j'arrive à discuter avec eux, quels sont leurs sujets, comment ça va en classe, etc. Ça m'a fait prendre énormément en maturité, en estime de moi. Les cultures, elles s'entrechoquent tellement dans les échanges européens qu'on peut pas tout le temps se questionner sur ce qu'on fait, parce que ça va sembler normal pour une nationalité et pas normal pour l'autre. Ça m'a décomplexée sur ce que je pouvais ressentir et sur qui je pouvais être, parce que je me suis rendu compte que bah, des fois, on peut être la bonne personne, mais pas forcément au bon endroit. C'est utile pour pas que pour les personnes qui ne savent pas trop quoi faire, c'est aussi à mon cas pour les personnes qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, mais qui n'arrivent peut-être pas toujours à accéder à ce qu'ils souhaitent, et c'est vraiment intéressant et formateur.